Nous arrivons à quelques minutes du deuxième match capital de ces playoffs, puisque lors de l'ouverture et du préambule de ces playoffs, eh bien, nous avons tout simplement vu la victoire des Orésiens. Ah, je n'ai pas noté le score, quel dommage. Bon, je vais me renseigner, une large victoire, non ? De 5 points, les Forésiens ont craqué. Nous arrivons maintenant à la deuxième moitié de ces playoffs et ça va être terrible pour l'une des deux équipes parce que celle qui perd, perdra beaucoup. Et puis, entre-temps, je me suis renseigné puisque j'ai discuté avec... Alors, je vais juste faire ça, reprenez... Voilà, donc j'ai discuté tout à l'heure avec le coach Loïc Van der Donk de Lille et il m'a expliqué plein de choses. Mais auparavant, je tenais une fois encore à remercier M. Poloff, qui est notre informaticien, qui a toujours un œil bienveillant sur notre site et qui est toujours là quand nous en avons besoin et même lorsque nous n'avons pas communiqué pendant un certain temps. Voilà, Monsieur Poloff, je sais que vous êtes à Reims, une magnifique région où il y a du champagne, du bon champagne. J'espère que vous avez du soleil et je sais que vous êtes un homme de qualité puisque vous œuvrez bénévolement dans beaucoup, beaucoup de secteurs et que vous rendez, et que vous, oui, vous rendez utile pour de réalisation
de site internet. Et donc toute l'équipe de Regards et Paroles vous remercie encore une fois de votre générosité et de votre implication. Sur ce, eh bien, nous allons donc parler de cette seconde demi-finale qui oppose les Parisiens aux Lillois. Alors, en discutant tout à l'heure avec Loïc, le coach de Lille, il m'expliquait que la situation avait un peu changé cette année et on va vous expliquer le pourquoi du comment. Les années précédentes, le vainqueur du championnat montait directement et puis après il y avait les play-offs et c'était le deuxième des play-offs qui montait automatiquement en National A. Or, depuis cette année, c'est terminé. Mackensch, Wallou, ça se passe différemment. Ça se passe de la façon suivante, c'est-à-dire que si Lille gagne au conditionnel, si, partant du principe que Lille gagne ce soir, ils vont en finale jouer contre Corbeil. Donc Corbeil est sûr de monter automatiquement en National A. Par contre, Lille, pour accéder à la National A, devront impérativement faire un match de barrage contre Lyon, qui est la 11e équipe de la National A. Donc, il y a eu beaucoup de changements, puisque avant, il y avait une montée systématique, et maintenant, même si Lille gagne sa place, il va falloir qu'elle bataille une fois encore contre Lyon. Et on sait que Lyon est une équipe redoutable. Ils ont perdu, par exemple, de 2 points contre Gennevilliers. Ils ont perdu de 4 points contre Toulouse. Bref, donc c'est une équipe costaud. Ce qui va obliger le coach, donc Loïc van der Donk, eh bien, de préparer son équipe à cette rencontre contre les Lyonnais. Et ça n'est pas parti gagné. En tout cas, nous, on leur souhaite tout plein de bonnes choses à cette équipe lilloise. D'abord, de gagner cette rencontre contre les Parisiens. C'est exactement la même formule hein, pour les Parisiens. Si les Parisiens gagnent ce soir pour accéder à la Nationale A, eh bien, il va falloir gagner contre Lyon. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là, nous en sommes loin. Nous avons également reçu un message de notre ami Master Basket, que je salue également. Il nous a donné les résultats de la première demi-finale entre hier et le Puy. Et hier, c'est imposé 72 à 55. Mais en même temps, la grande question était qui peut battre hier cette année? Nobody. Personne. Nous avons fait les remerciements des uns et des autres. Nous allons peut-être vous présenter en détail les joueurs et les acteurs qui vont jouer devant vous. Eh bien, cette comédie en 4 actes intitulée « Mort d'une équipe » où nous aurions pu aussi l'appeler « La victoire est au bout de ce match ». Après, c'est à vous de décider de l'appellation du titre. En tout cas, les acteurs, ils sont 24 et on va vous les présenter, évidemment. Et nous allons commencer par l'équipe de Paris avec le numéro 4, Vincent Écoignard, 2 points. Le numéro 7, Julien Piton, 3 points. Fabienne Saint-Omer, le numéro 9, 3 points. Le numéro 10, Guidez Romuald, 1 point, qui est également président de l'association du LUC. Le numéro 13, c'est Van Panray Yono. Il ne parle... c'est Nong. C'est le 32 qui ne parle qu'anglais. Le numéro 32, Nong Makara Daniel. Le numéro 12, le numéro 12, c'est Buzyn Olivier. Le numéro 15, Etaouki Larbi, qui était un ancien Parisien et qui avant jouait en Belgique, il est revenu. Et il me racontait justement un peu la tristesse et le désarroi des équipes belges, puisqu'il n'y a que 5 équipes dans chaque poule, il n'y a que 2 poules, et que finalement,
eh bien, les équipes ont très peu de subventions, etc. Nous continuons notre tour d'horizon avec ces acteurs qui, tout à l'heure, vous donneront certainement du plaisir à regarder et à jouer avec le numéro 69, Leblanc Wilfried 1.5, qui également a joué et joue dans l'équipe de National 2 qui est devenue championne de France dans sa poule. Et puis il nous faut parler toujours de celui qui orchestre un peu le tout, qui oriente, qui dirige, qui pense, qui trouve des solutions à chaque fois qu'il doit changer, évoluer, changer de stratégie. Eh bien, c'est le coach, c'est Loïc Van Der Donk. Il est aujourd'hui accompagné du kiné Xavier Leleu. Et puis, quand on fait du handi basket, eh bien, la première chose qui est indispensable, à part avoir une paire de fesses pour s'asseoir dessus, c'est quand même le fauteuil. Et donc, il y a un mécano qui s'appelle Alain Lévesque. Tournons-nous maintenant vers les Parisiens, et puis on sait que les Parisiens, eh bien, quand on parle de Paris, on parle surtout de 2024. 2024, c'est demain. Alors, est-ce que ces joueurs feront partie de Paris 2024? Peut-être, en tout cas, je leur souhaite. Et nous avons donc le numéro 4, qui est Jérôme Foulon, il est 2.5. Le numéro 5, Elvis Yanneux, 3.5. Le numéro 7, Patrick Semedo, 1 point. Le numéro 8, Joseph Kemangang, 2 points. Le numéro 10, Laurent Monestier, 1 point. Le numéro 11, Ousmane Goïta, 2 points. Le numéro 12, Abdel Ben Redouane, 4 points. Le numéro 13, ancien Gennevillois, Mohamed Chirk. Il a quitté Gennevilliers il y a à peu près maintenant 2 ans. Il est 2.5. Le numéro 14, Mokhtar Messaouden, ancien Clichois, qui également est parti faire sa deuxième saison au sein des Parisiens. Il est 4 points. Le coach qui a beaucoup bourlingué en France, il a fait Gennevilliers, il a fait Paris, et puis il est reparti à Gennevilliers, il est revenu à Gennevilliers, bon bref. Le coach est Tagmi Lassem, il est également coach de l'équipe nationale algérienne. L'assistant coach, je ne l'avais pas revu depuis que j'ai quitté donc les Parisiens, ça va maintenant faire à peu près une dizaine d'années, voire un peu plus. Eh bien, c'est Foued El Mouden. Et puis, mon ami de toujours, que j'ai toujours plaisir à voir, car nous nous connaissons depuis plus de 30 ans, c'est Montassar. Montassou, voilà. Nous allons également vous parler des deux autres joueurs qui composent et qui terminent ces acteurs. Eh bien, c'est Bakary Fofana. J'essaie de voir son numéro. J'arrive pas à le voir. Et Maxime Juve, qui est le 17. Et que seraient justement tous ces acteurs sans un metteur en scène et sans régisseur. Nous avons donc à la table de marque Bérangère Pirez, Céline Foulon, dit Pupus, sans oublier Deveau François, et puis les arbitres. Ceux qui vont officier, ceux qui vont siffler les 3 secondes, les fautes, les reprises de dribble, les retours en zone, les marchés, les bourpifs, premier arbitre Dominique Blot. Nous vous annonçons qu'il a sa mère a disparu il y a 2 jours. Donc toute l'équipe de Regards et Paroles souhaite toutes nos condoléances. Il sera secondé par Marceau Durand. Alors, il est hyper sympa, Marceau, mais il ne faut pas non plus le chercher. Et puis, le commissaire, parce qu'il faut bien un commissaire, parce que quand il y a un commissaire, il y a toujours des coupables. Le commissaire, c'est M. Dalpierre. Caméra, vous la connaissez, elle vous donne des images toujours de qualité, c'est MC. Et puis, dans 1 minute 48, nous allons nous engouffrer de plein pied dans justement cette deuxième demi-finale
qui, je l'espère, sera aussi palpitante que cette première, on se souvient, entre les Forésiens et les Essoniens. Alors, les Forésiens sont passés à côté pour pas grand-chose, hein, un jeu un peu trop séparé dans le deuxième quart-temps. Premier quart-temps, ils ont tenu la route. Deuxième et troisième quart-temps, deuxième quart-temps, absence totale. Troisième quart-temps, sont revenus. Quatrième quart-temps, ils ont tenu tête et puis se sont écroulés à la dernière minute. Mais c'était un match assez poignant. Maintenant, entre les Lillois et les Parisiens, ça va être pneu contre pneu, pif contre pif. Il va y avoir de la tension parce qu'il se joue une place pour aller jouer la finale demain à midi, qui sera toujours diffusée en direct, hein, comme le match de la troisième et la quatrième place demain matin. Et puis nous avons des nouvelles de Saint-Herblain à la mi-temps. Le Canet gagne 36-54 contre Meaux. Merci Mister Basket. Donc oui, c'est un match capital. C'est le match que personne ne doit perdre. C'est le match de la mort. Celui qui perd ce match, quand il va rentrer ce soir se coucher à la chambre d'hôtel, il va s'en mordre les pneus, je vous le dis. Donc il va falloir tout donner, mais tout donner intelligemment, respecter les consignes. Alors, maintenant, voir un peu... Ah ben voilà, il y a la présentation des joueurs. Pardon. Alors, on commence. Le numéro 4, c'était Jérôme Foulon. Ben, il est numéro 3 maintenant, voilà. Ça change. C'est bien les Parisiens. Après, nous avons Elvis Yanneux, le 5, Semedo, le 7. Ils ont tout changé. Le 6, c'est Joseph Kemga. Bon, je vais vous faire comme ça. Le 10, Goeta. Le numéro 11, c'est Ben Redouane Abdel. Après, ils ont mis en vrac, hein, les Parisiens. Le numéro 14, Mohamed Chirk. Voilà, allez hop, 14, 11, allez, 10. Laurent Monestier, c'est 8. Eh bien, mon ami, le 10, c'est Goeta. Le 11, le 15, Messaouden. Le coach, c'est la scène. Il manque. Ah ben voilà, le numéro. C'est quel numéro? Le numéro 7, le numéro 17. Et le numéro 93. Tiens, la banlieue. Alors, du côté de. Voilà, maintenant, voilà, les gens vont très bien. Voilà, le numéro 4 du côté de Lille. Il est là, il est à l'antenne. Il est à l'antenne, il est là. C'est le numéro 4, c'est Écroignard Vincent. Le numéro 9, le numéro 7, Piton Julien. Le numéro 9, Fabienne Saint-Omer. Le numéro 10, le président Romuald Guidez. Le numéro 13, Yono Van Rompuy. Le numéro 32, Nong Makara Daniel. Le numéro 12, Buzin, Olivier, 4,5. Le numéro 15, Etaoukil Larbi, 2,5. Le number 69, Leblanc Wilfried, 1,5. Le coach. C'est Loïc van der Donk, assisté en tant que kiné par Xavier Leleu. Et le mécano, c'est l'évêque. La table de marque, Bérangère Pirez, Foulon Céline Guy Pupus, De Vos François. Les arbitres, premier arbitre Dominique Blot, second arbitre, Marceau Durand, et le commissaire Dalpierre. Voilà, les acteurs sont là. Messieurs, vous vous serrez la main. On peut dire aussi mesdames, parce qu'il y a une fille. C'est une Lilloise. Alors là, moi, il va falloir vraiment que je fasse 3, 5, 5, 5, 6, Joseph. Voilà, tout le monde est là. Messieurs, bon match. Et maintenant, c'est le temps des coachs. Chaque coach, maintenant, va donner ses dernières consignes. 20 mètres sont 5. On salue tout le monde, on salue la table de marque. Maintenant, on oublie tout ça, on se concentre sur ce qui va se passer. Car, comme on le dit, à la fin de ce match, il y aura forcément un couillon. Bon match, messieurs. Wilfried, je t'ai à l'œil, Wilfried. Alors, le 5 concernant Lille, voilà, le 5 a déjà été préparé, il est composé du numéro 13,
Jono Van Rompen, le numéro 7, Julien Piton, le 69, c'est Wilfried Leblanc, le numéro 9, Fabienne Saint-Omer, et il m'en manque un. Ben non, ils sont tous là. Et non, le numéro 4, Écroignard, Vincent. Le banc de la relève est là, tout le monde est là, tout le monde est prêt. Du côté de Paris, alors nous avons Messaoud El Mokhtar, le numéro 15, il est 4 points. Abdel Ben Redouane, le numéro 11, 4 points. Mohamed Chik, le numéro 14, 2,5 points. Le number 6, Joseph Kemkanga, 2 points. Et il m'en manque un. Il m'en manque un, ben oui, c'est lui, c'est Ousmane Goïta qui est le 10, il est 2 points. Messieurs, mesdemoiselles, pardon, bon match. Et que le meilleur gagne. Allez, entrons dans le vif du sujet. Hop, on vous met le score. Tout est fait. Roulez jeunesse. Récupération pour Chik. Chik. On fait des blocs, ça joue. Hein. Oh, attention, une roue arrière. On sort pour Abdel Nour. Ben Redouane. Ben Redouane. Ben Redouane, on tourne pour Messaouden. Messaouden. Oh ! Première banane par Fabienne. Allez, un contre pour Fabienne. Et même si Messaouden met le panier, 5 secondes. Il y a une presse. Ça joue physique. Ça joue physique. Attention, ne partez pas trop vite. Attention, il y a une presse qui est mise en place par les Parisiens. On connaît la force des Parisiens. Les Parisiens sont physiques. Hein. Van Rompen. Van Rompen. Il y a un bon bloc, il y a un bon bloc. Il y va tout seul. Tout seul. Oui, joli shoot. Allez, égalité. 2-2. Il faut maintenant revenir vite en défense. Ça va être un jeu très physique. Hein. Très physique. Il faut créer de l'espace. Créer de l'espace. La balle, est-ce que la balle... Chik. Chik. On ferme pour Ben Redouane. Ben Redouane. Messaouden. Messaouden. Une passe dans le vide. Attention, les mauvaises passes. En même temps, ce qui prouve qu'il y a aussi une bonne défense du côté des Parisiens, puisqu'ils gênent effectivement la mise en place des pivots parisiens. Piton pour Van Rompen. Devant. Allez, hop, contre-attaque. Piton bien secouru par. Quand je vous dis que ça va être chaud ce match, il va être chaud. Il faut rentrer tout de suite dans le match. Merci Monsieur Plov. Heureusement que vous êtes là. Alors, il est adorable. Oui, je vous parlais du match de tout à l'heure. C'était 66 à 58. Merci. Hein. Que serais-je sans vous? Pour l'instant, ça joue récupération Fabienne. Attention, Wilfried pour Van Rompen. Van Rompen face à Messaouden. On va jouer du 1 contre 1 parce qu'on ressort la balle. On part pour Écroignard. Écroignard tout seul. Pourquoi il ne le prend pas? Pourquoi il ne le prend pas? Pourquoi il ne le prend pas? Prends-le, bonhomme, t'es tout seul, rentre dans la raquette, t'as personne, tu shootes, t'avais aucune pression. Alors là, les consignes des coachs, ça fuse dans tous les sens. 4-2 pour Lille. Remise. On rejoue pour... On rejoue. Shoot à 3 points. Oh, oh, the first three points du playoff de Lille. Ouh. Alors là, celui-là, on le met ici et on l'entoure. À 3 points. 7-2 pour les Lillois. Ousmane Goïta pour Chirc. Encore une mauvaise passe. Touché par Piton. Oh, dites-moi. Oh, buzzer beater. Non mais on a le sentiment d'être en NBA, hein, comme si LeBron James avait pris ce ballon et l'envoie pour marquer un 3 points. Fabuleux, fabuleux. Allez, 7-2, remise en jeu pour les Parisiens. 11 secondes. Il faut cette défense, cette défense. Abdel Nour,
Messaouden. Ouais, belle, beau compte. Aïe, 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 aïe. Il a oublié de regarder qu'il avait aussi devant lui un TGV qui s'appelle Goïta. Joseph, raté, Joseph. On récupère, 14 secondes. Attention, c'est le cafouillage complet pour les Parisiens. Toujours, 8 secondes. Les Parisiens ne se retrouvent pas et il y a un temps mort de demander par la Seine. Notre association Regard et Parole propose de multiples services, dont celui de diffuser vos événements en direct sur Internet à des prix associatifs. N'hésitez pas à nous contacter afin de réaliser ensemble un moment inoubliable de votre événement culturel, sportif ou musical. Notre équipe mettra tout en œuvre pour satisfaire votre rêve. Contactez-nous sur notre site regardetparole.tv. Fin de temps mort, si vous voulez bien, messieurs, reprendre, et mesdames, pardon Fabienne, autant pour moi, si vous voulez bien reprendre vos places, parce que ça va jouer. Ah, dites-moi, on a eu un... Ah, je suis content. Je suis content parce qu'on a eu un 3 points. Je l'attendais, ce 3 points, il est arrivé à point nommé. Juste pour, comment dire, nous mettre en appétit, parce qu'il nous reste encore, eh bien, pratiquement 4 cartons. Celui-ci, eh bien, n'a commencé qu'il n'y a que 3 minutes. Il y a encore 7 minutes de bonheur. Et encore, eh bien, il va y en avoir encore 3 de 10 minutes. Goïta, on essaie de trouver la faille. Et il y avait 8 secondes. Remise en jeu pour les Lillois. Les 24, les cocos. Les 24. C'est la panique hein, du côté des Parisiens. Ça joue. Le ballon a touché le cerceau. La citrouille a touché le cerceau. Bonne défense, hein. Bonne défense. Récupération Fabienne. Ah oui, là, les Parisiens, ils font une presse. Oui, 8 secondes de passé. C'est bien. Oh là ! Comment je t'ai enfumé ? Ouais ! Hop. Dommage, il n'a pas fini son geste. Dommage. Kemangan avec un petit passage pour Ben Redouane. Ben Redouane, Goïta. Goïta, bonne défense. Chic, 4 secondes. Oh ! Bonne récupération. Bonne défense hein, des Lillois. Franchement, les Lillois, pour l'instant. Ah non ! C'était trop téléphoné cette passe. Trop téléphoné, quel dommage. Chic. Allez les Parisiens. 7-2. Messaouden. Ils ont une bonne défense, hein. Messaouden. Récupération ratée. Faites des blocs. Ah, les passes sont trop téléphonées. On le sent trop qu'il va faire cette passe. Chic, tout seul. Et ben voilà. Ben, il faut bien que ça rentre aussi à un moment donné hein, chez les Parisiens. Ça ne peut pas non plus toujours être chou blanc. Allez. Voilà, on est sorti des 8 secondes. Là maintenant on travaille, on bloque les joueurs, il n'y a pas de travail, on fait du 1 contre 1. Oui, 3 secondes dans la raquette. Et oui, alors vous avez vu aussi, le problème c'est que Wilfried est descendu ligne de fond, alors qu'il aurait suffi de remonter pour faire un bloc, pour permettre justement à Van Rompuy de pénétrer, d'avoir l'espace. Et de marquer. Alors que là, eh ben, ils jouent finalement complètement séparés. Ils sont un peu désolidaires. Ah, il faut que je l'écrive celui-là. Désolidarisés. Voilà, on y arrive. Messaouden, on essaye.
Pour l'instant, ça joue à l'extérieur. Il n'y a rien. Ça n'arrive pas à rentrer. Ils sont tous du même côté. Et bien, il reste quoi? Et bien, voilà, 3 secondes. Bonne défense de Lille. Les Lillois, pour l'instant, tiennent le bon bout. Il n'y a que 7-4 hein, dans ce premier quart-temps. Allez. Piton. Van Roppen pour Fabienne. Et alors, il y a une faute de Mohamed Chic. 14. On pousse au fond, balle lilloise. Eh bien, dites-moi, c'est chaud. Alors, on doit également vous raconter une anecdote qui s'est produite tout à l'heure. Il y a eu un téléphone, un iPhone, qui a disparu dans la nature. Et 10 minutes plus tard, nous l'avons retrouvé. Ce qui trouve... Oh ! Et à shooter, s'il vous plaît. Et numéro 10. On pousse sur le shoot. Et oui, donc là, les Parisiens, ils sont en train de craquer psychologiquement. Ils n'arrivent pas à se trouver. Quoi? Oui, bien sûr qu'il n'y a que 3 points, mais psychologiquement, ils n'arrivent pas à se trouver. Alors, Piton, il a mis son un lancé. Ben là, il m'en manque. Hein, Et il a mis le deuxième. Parfait. Beau geste. 9-4 pour les Lillois. Bon, moi, je serais curieux de voir jouer l'une de ces deux équipes contre Lyon. Messaouden. Pour Ben Redouane, toujours. Ça joue au fond. Il y a eu un beau bloc. 5 secondes à shooter. 5 secondes. 5 secondes. Et alors, Julien, Vincent, pourquoi t'es là? Vincent, prêt à sortir? Vincent! Il reste 3 minutes 30 dans ce premier carton, 9-4 pour les Lillois. Magnifique, dommage. Oh, bonne récupération. Et oui, lui, il est grand. Hein, et bien, c'était une bonne récupération de Wilfried Leblanc. Donc, c'est Leblanc. Hein, Ben Redouane, Goïta, en tant que meneur. Ouais, bon. Ben Redouane. C'est une bonne défense pour le moment, Lille. Hein, ils arrivent à les maîtriser. Bien joué. Ouais, mais chic. Qui marque son deuxième panier. Hop. C'est un peu du l'auto-pneu. Hein. Ouais, c'est bien, alors ils ont tout. Ils shootent, ils ont même les rebonds. Donc dans ce cas-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Van Rompuy, non, il y a quoi? 11, on pousse. Faute certainement de frustration de Ben Redouane. Ben oui, parce que... En tout cas, nous sommes contents et heureux de revenir et de vous diffuser ces PA parce qu'on nous avait un peu oubliés, alors... On ne sait pas si on nous aime pas. Attention, oh là, c'est quoi ça? Aïe, 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 une incompréhension. Ben oui, mais en même temps, Fabienne, si tu rentres dans la raquette, c'est aussi pour recevoir le ballon. Si tu rentres dans la raquette pour ne pas recevoir le ballon,
ce Van Rompen, il est monstrueux. Je ne sais pas où ils l'ont dégoté, mais alors ils se donnent à fond. Hein. 11-6, 2 minutes 30 encore à jouer dans le premier carton. On met 14. Là, elle revient à la même équipe, donc on ne met pas à 24. Ah, et puis en plus, il s'est fait ouspéter. Hein. Il s'est fait réprimander. Il s'est dit toi. Nobody. Alors, nous tenons à remercier également bien, tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. On tient à les remercier. On vous a offert tout au long de ces derniers mois des concerts, des interviews, etc. Donc si vous aussi vous avez envie que l'on réalise une interview de vous, c'est simple, vous prenez contact avec nous. Joseph, récupération, Gotha pour Van Rompen, peut faire des blocs pour sortir. Écroignard. Tout seul, vas-y bonhomme, tout seul. Aïe. La récupération, Kemangang. Ben Radouane. Et il y a même qui goûte au parquet de Lille. Ben Radouane, Chic. Messaouden, ou Airball, récupérons. Ben Radouane, 0, 24 secondes, ça joue. Oh, Goïta entre deux. Quelle chance qu'il a eu, parce que Van Rompen avait perdu la balle. Et heureusement, il la récupère. Vous connaissez la règle, c'est pour l'entre deux, c'est une fois l'un, une fois l'autre. Et c'est surtout en fonction de qui a eu la dernière possession de balle. C'est very, very, very important. Voilà, des blocs, voilà, super. Là, on refait un bloc, on rebloque. Super, Van Rompen. Oh, comment ? On loupe ça aux mains gauches. On reprend, et encore une faute. Du numéro 11. On pousse sur le côté. Oh ben, on ne compte plus les fautes. Hein. C'est des fautes, il y en a, ça pleut. C'est une grêle de fautes. Il tombe une grêle de fautes. Allez, Écroignard. Oh, in-out pour Julien Piton. Raté. C'est Saouden. 11-6, hein, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup d'énervement, beaucoup d'excitation et pour un score infime. Chic. 45, oui, joli. C'est lui pour l'instant la pièce maîtresse hein, de cette équipe parisienne qui tient à flot cette équipe. Fin de ce premier quart-temps qui voit Lille gagner, mener 11. Et pour l'instant, on voit cette équipe lilloise qui pose quand même beaucoup de problèmes à cette équipe parisienne avec une bonne défense, bien solide et qui empêche les pénétrations. Les pivots parisiens n'arrivent pas à pénétrer dans cette peinture, donc à avoir une position préférentielle, c'est-à-dire avoir hauteur. Ils jouent en périphérie en ligne des trois points et comme pour le moment les Parisiens ne sont pas très très adroits au shoot à mi-distance, eh bien c'est tout bénef pour Lille. Ah, nous avons maintenant la relève avec l'entrée de Elvis Yanneux qui est le numéro 4 et puis Jérôme Foulon. Voilà un ancien Lillois
qui vient, eh bien, peut-être déclencher la guerre des régions, peut-être en emportant les Parisiens vers cette phase finale, puisque c'était un ancien Lillois et qu'il a, pour cette année, eh bien, décidé de quitter Lille, cette région qui lui est chère, pour aller s'encanailler avec les Parisiens. Pour Elvis Aïeux, Elvis. Eh bien, voilà qui va faire du bien aux Parisiens. Ils en avaient besoin. Les Parisiens étaient un peu étouffés. Hein. Hop. Il y a une bonne relève pour les trois points. Voilà, il y a des bons blocs. Ça joue. Toujours. Il va tout seul. Le blanc. Récupération Fabienne. Oui, bien sûr. Saint-Omer. 13-10. Foulon. C'est le TGV, hein, c'est le meneur de cette équipe parisienne. Foulon pour Ken Gang. Kemankang. Ben Redouane. Oui, bien contré par Saint-Omer. On revient à combien? C'est 14. Merci. Ouais, c'est chaud bouillant. Hein, Elvis qui s'est fait chipper la balle par Piton. Chic. Et 3 secondes dans la raquette. Et oui, on tricote. Et quand on tricote, eh bien, on finit par se prendre des 3 secondes. Alors, le blanc, on ne peut pas. On revient. 14 secondes. On vient faire un bloc ici. Aïe, aïe, aïe. Mauvaise incompréhension. Elvis, qui joue bien, Elvis. Pour l'instant, il a fait. Et il y a une faute de Fabienne. On va voir. Non, c'est le numéro. J'arrive pas à voir. Première faute. Pour. Oui. Pour vous, Leblanc. Yanneux au lancer franc. Chaud de bonhomme, ça se travaille à l'entraînement. Monsieur, mais oui, monsieur Von Rompuy, vous êtes rentré beaucoup trop tôt. La balle n'avait pas quitté la main du shooter et vos petits trous étaient déjà à l'intérieur. Et cela est défendu par le règlement national et international. Donc, eh bien, ça lui donne un troisième lancer franc. Va-t-il le mettre? Eh bien, non. Récupération par devant, super. Alors un grand pointeau, la faute. Et accordé. Oui. C'est dans la continuité. Très bien. Bien arbitré. C'est excellent. Toujours de l'un de nos correspondants en direct de Saint-Herblain. Le troisième quart-temps. Eh bien, le Canet, pour l'instant, mène 54-51 devant Meaux. Merci, JC. Merci. Il faut remercier les gens qui également participent. 15-10 pour les Lillois dans ce deuxième quart-temps. Il reste encore 7 minutes 49 à jouer. Rien n'est fait. Foulon
Coulon. La récupération Fabienne pour Van Rompuy. Non, trop. Pour, on rejoue. Il faut sortir la ligne médiane. C'est parfait ça. Non, c'est trop téléphoné. C'est trop téléphoné tout ça. Chic, 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 chic. Toujours. Kemang Kang pour Yanneux. Yanneux, faute est accordée. Oui, dans la continuité, pareil, pareil, ce qui est valable d'un côté est valable de l'autre. 12, on pousse encore un shooté. 12-15 pour les Lillois. Ah, ça va être comme ça jusqu'au coup de sifflet final. Ça va être intense. Intense, intense, intense. Yanneux. Van Rompuy. Oh, panique chez les Lillois. Panique. Ils n'ont pas su sortir proprement ce ballon. Foulon. Foulon pour Ben Redouane. Ben Redouane, Elvis. Et oui. Ah ben là, pour l'instant, ils sont en train de leur réciter les gammes, hein, Lille. Huit secondes, voilà pour le blanc, on calme, on calme. Attention les 8 secondes, hein. Alors attention, il y a du changement. Il y a du changement. Le 32, c'est-à-dire Nong Makara Daniel, sort à la place de Ekwanyar. Julien Piton sort, remplacé par le président Romuald Guidez. Remise en jeu par le président. Président, à vous. Non, on ne l'avait pas encore vu en action, non. Van Rompuy. Oh. Je ne comprends pas pourquoi Nong n'a pas shooté, il est en position. En position de shoot, mais bon, peut-être comme il va d'entrer. Foulon. Oh, je t'ai fait un gris-gris et la faute. Et voilà, voilà ce qu'apporte Jérôme Foulon, c'est cette espèce de vitesse, hein, en contre-attaque. Et puis, c'est certain, 14-15, plus qu'un point de différence. Attention à ne pas basculer psychologiquement, c'est important. Il faudrait pour cela que Lille puisse remettre un ou deux paniers. Nong. Nong. Pour, on remet pour Nong. Là tout seul. Tout seul. Pourquoi il ne shoot pas? Il a un problème avec son shoot ou pas? Fatigué, c'est la fatigue. C'est la fatigue ça. Hein. Ben Redouane, ça va être chaud tout le match. Ben Redouane, et voilà. Et les Parisiens ont pris l'ascendant. Voilà, 18-15. Les Parisiens sont passés devant. Parce que ça joue physique. Rompuy, faut faire des blocs, faut faire des blocs. Il va y aller ou pas, Nong? Ah bah quand même! Je me posais la question à quel moment il allait rentrer. 18-17. Changement. Qui sort? C'est Van Rompuy. Il va être remplacé par Olivier Buzyn. C'est bien bagarré, Van Rompuy, Yono. Bah 18-17, hein, les Parisiens sont revenus à 5 minutes du deuxième quart-temps. Ben Redouane, Jérôme Foulon, il est tout seul. Hop, 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 hop. Buzyn pour Nong, Nong. Et voilà, on ne regarde pas derrière, personne ne parle, il n'y a pas de communication. Ben Redouane pour Chic, Chic. Ben Redouane. Ben Redouane toujours.
pour Elvis Ben Redouane. Récupération Ben Redouane. 5 secondes. Oui, 14. Heureusement qu'il est là, le Elvis Yanneux, parce qu'il fait beaucoup de bien à cette équipe parisienne. 27, il la sort de grandes difficultés. Et puis, les Parisiens mettent aussi en place une presse, et ce qui gêne énormément hein, les Lillois. Et, ils jouent... il n'y a plus cette fluidité. Voilà, il faut faire des blocs. Voilà, mauvaise passe. Et 24 secondes. Ah, ça va se terminer à la hache, hein, je vous le dis, moi. 27. Kemon Kang. Ben Redouane, Yanneux toujours pour Ben Redouane, il est rentré, ah oui, mais là, il y a eu un bon pick and roll, c'est là, la défense longue. Oui, mais il n'y a pas le bloc, il passe devant, mais il n'y a pas de bloc, il ne fait pas le bloc, il ne s'arrête pas. Contré, attention, seconde dans la raquette. Qui a shooté, c'est Buzyn. Allez, 2 points pour Buzyn. 19-22 quand même. Ah, c'est bouillant. Hein. Nous sommes dans le chaudron des playoffs. Yanneux, Foulon, ça joue à l'extérieur, on essaie de trouver la faille pour entrer intérieur, un petit contre un grand. Ouais, Buzyn a bien contré, elle est pour les balles lilloises. Beau contre de Buzyn, qui est arrivé, qui a bâché en toute légalité. Buzyn, toujours, faut écarter, non. Pourquoi il s'en va, revient faire un bloc. Faites tourner la balle. Buzyn, il prend son temps. Oh, récupération. Oh, c'est pas mal. Ouais, il y a shoot. Ouais, oui. Buzyn, bon, alors là, je sais pas si c'est trop légal, parce qu'il y a eu une envolée, un shoot artistique du président Guidez. Et qui n'a pas touché le ballon, mais il y a eu shoot. Alors ça, il va falloir que je me renseigne pour voir si ça ne va pas être trois minutes. Bref, 21-22, Ben Redouane. On essaie de jouer la pénétration. Et oui, et ben là, c'est tout bénef. Là, la défense, elle est inexistante hein, du côté de Lille. Hein. Elle est inexistante. Nong. Bien joué. Vas-y, tout seul. Voilà, et une faute de Elvis. 4, on pousse, 2 à shooter. 21-24, hein, c'est pas beaucoup, c'est 3 points, mais les Parisiens sont bien revenus dans le match. Ils sont revenus. Et le public qui soutient, le public qui est derrière ces joueurs. Oh, bravo. Beau shoot. 22-24. On en revient à 2 points, un panier. Et 2 sur 2. Alors, j'ai du mal à comprendre avec le shoot qu'il a, ce Nong, pourquoi il ne shoot pas davantage quand il est placé en tête en raquette.
Bon, peut-être qu'il se préserve pour le troisième. Wow ! Alors là, c'est je fais le tour de l'île et je mets le panier. Hein. Il n'y a aucune défense. Il n'y a aucune défense. Faut le mettre, hein, bonhomme. Très bien, Wilfried. Leblanc. Allez, 26-25, 1-19. Rien n'est perdu pour personne. Rien n'est perdu pour personne. Chic. Chic. Chic Ben Redouane. Alors, c'est pas le groupe Chic, hein, c'est Mohamed Chir. Yanné, ben, lui, il va pas se gêner, il a un double écran. Ah non, il reçoit pour Joseph. Kemangan. Allez, allez, allez. Ah, il y a eu quoi? Explication. ...26-25, un point. 50 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Chaud, très chaud. Alors nous avons le privilège hein, d'avoir un ancien membre de l'équipe de France qui est ici, c'est Roger Deda. Voilà, grand joueur, il a fait les beaux... Oh, c'est magnifique ça! Mais c'est quoi ce shoot Leblanc? Et une faute. Faut pas lui prendre les mains, tes petits camarades Leblanc. Surtout qu'il en a à combien de fautes? Il en a à sa troisième. Troisième, hein? Bicarfoul. Troisième faute, hein, déjà, pour Leblanc. Ah non, il a sa deuxième. 30 secondes encore à jouer. Ben Redouane. Elvis. Yanné. Allez, je rentre. Je fais ce que je veux. Et là, bah, c'est un peu long. Oh, dommage, ça a failli être au buzzer beater. 26-25 pour les Parisiens. Allez, on se retrouve dans 10 minutes pour suivre avec frénésie le troisième quart-temps. Notre association Regard et Parole propose de multiples services, dont celui de diffuser vos événements en direct sur Internet à des prix associatifs. N'hésitez pas à nous contacter afin de réaliser ensemble un moment inoubliable de votre événement culturel, sportif ou musical. Notre équipe mettra tout en œuvre pour satisfaire votre rêve. Contactez-nous sur notre site regardetparole.tv. Dernier carton, avant-dernier carton, c'est le troisième carton qui voit pour le moment eh bien, 26-25, deuxième carton. Troisième carton et quatrième carton. Oui, c'est pour que je puisse noter au fur et à mesure. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que les Lillois ont fait une excellente entrée en matière. Ils ont bien contenancé les Parisiens. Et puis après, il y a eu certainement une forme de fatigue ou une forme... Vous savez, ça va très vite en basket. On peut par exemple s'imaginer qu'on a trouvé le bon filon. On est sur une bonne dynamique, ça roule. On avance, tout rentre, c'est super. Et puis à un moment donné, dans la tête, eh bien, hop, on décroche. Et c'est ce qui s'est passé à mon avis. Lille a légèrement décroché. Leur défense est devenue moins hermétique. Les Parisiens en ont profité pour revenir. Il y a eu des changements aussi au niveau de l'équipe parisienne. Il y a eu Yanné qui est arrivé. Et Yanné, eh bien, en un quart-temps, il a quand même marqué 10 points. Donc, ce qui fait qu'il a sorti les Parisiens de la tête de l'eau. De l'autre côté, le deuxième quart-temps pour les Lillois a été un peu moindre. Ils ont été un peu moins intenses. Beaucoup de lacunes en défense. Et puis un manque de communication. Et puis aussi, il y a, il faut l'avouer, il faut le dire, cette presse qui gêne horriblement les Lillois, puisque les Parisiens font une presse tout terrain. Et quand on sait qu'on fait une presse tout terrain, eh bien, il faut d'abord se débarrasser de la balle, c'est-à-dire franchir la ligne médiane avant les 8 secondes.
Et puis après, il reste, vous enlevez 24 moins 8 pour shooter. Donc après, il y a comme une espèce d'énervement et puis ça devient après quelque chose de très physique où l'on joue du 1 contre 1. Et c'est là justement où il faut apprendre aux joueurs à jouer plus collectivement et à ne pas s'enferrer dans une attitude individuelle pour isoler un joueur, mais plutôt venir compenser, aider son partenaire pour justement provoquer le pick and roll ou le bloc, et ce qui permet qu'après d'ouvrir tout un champ pour pouvoir placer le fauteuil et le ballon. Eh bien, début de ce troisième quart-temps avec la balle. Et tout de suite, les Parisiens font la presse. Alors, il y a du côté de Lille, il y a Van Rompuy. Et puis, il y a Écroignard, Romuald Guidez, Fabienne. Mauvaise passe, trop téléphoné. Yanneux, c'est trop téléphoné tout ça. On s'y attend de trop. Ben Redouane. Guidez qui prend en charge. Bien vu. 3-2, 32, on pousse sur le côté. C'est Nonk qui prend sa première faute de ce troisième carton. Ben oui, il faut vous parler en défense. Voilà, là ils sont tous là. Ils sont tous là, faut changer, voilà. Elle a un grand, un petit, ouais, oui. Et oui, et faute de... Oui, il faut vous parler. Il n'y a pas de communication, c'est dommage. 26-25 toujours pour les Parisiens. Ben Redouane au lancer franc, récupération, et ben voilà, c'est... Donc résultat des playoffs. Ça joue. Eh bien le Canet ira en finale et jouera demain contre hier à 14h30 puisque ils ont gagné 85 à 75 face à Meaux. Merci. Donc rendez-vous demain pour avoir des nouveaux résultats. Quant à nous, eh bien, on va peut-être avoir tout à l'heure la chance d'avoir en direct Stéphane Keller. On espère qu'il va nous appeler pour nous raconter un peu justement. Oui, non, on n'a plus le micro. Il est là, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Pareil, oui. Ah ben oui, il fallait me le dire, je vous l'aurais dit. Donc on vous rappelle, mesdames et messieurs, que le Wi-Fi n'est pas disponible le temps d'une rencontre. Surtout celle-ci qui est importante. Il s'agit pour accéder à une phase finale. Merci de votre compréhension. Ah, et après, il y a des problèmes de Wi-Fi aussi, c'est-à-dire que tout le monde tombe sur le Wi-Fi. Ben Redouane, faut relancer maintenant, faut relancer. Et il est sorti. Il pousse. Après, je ne connais pas. C'est court, la banlieue. Guidez, président pour Nong. Fabienne, magnifique, c'est bien joué ça. Aïe, dommage Fabienne. In out. 26-25 depuis tout à l'heure. Oh,
ça joue. Oh là là, là c'est du. Bien, bonne couverture. Oui, et avec la faute. Van Rensselaer. Ah, je vous l'ai dit, ça va se terminer en gants de pneus. Hein. Et après, il y a la faute. Plus simple. C'est Joseph Kemankang qui fait la faute. Ah bah bravo Joseph. Toutes mes félicitations. Au shootage. Alors, il s'est passé quelque chose, quelqu'un s'est pris une faute, une grosse faute. Il y a neuf, mais je n'ai pas suivi les débats. Il y a Foulon pour Ben Redouane, Ben Redouane est en chasse par Fabienne. Elvis Yanneux qui va jouer en fond de raquette. Oui, bien joué, ils ont fait le pick and roll classique, mais ça marche toujours, hein, le pick and roll. Je passe entre deux joueurs, je bloque, tac, je crée le passage, je m'introduis, je reçois la balle. Ça, ça, oh ! Remur, Guidez, président, il fallait faire plus simple, il y avait le numéro 13, il y avait Van Rompuy qui attendait. La balle. Oh, ho, ho, ho! Great! Perfect! Miss Saint-Omer! Kemankang, elle est une chute à zéro. Joseph pour Chic et une faute de Nong, deux à shooter. Le numéro 32. 2. Et là, entre Marceau Durand et Dominique Blo, il y a de l'excitation, il y a de l'électricité. Ah, anti-sportive. Anti-sportive. Première anti-sportive. De la shooter. Alors, nous avons eu le droit à un panier à 3 points par Buzyn. Et puis, maintenant, on a le droit à une première anti-sportive. Alors, qui va shooter? Ben voilà, le problème, c'est qui va shooter? Haha. Allez, c'est Chic qui va se lancer. 28-30, hein. Lille est repassé devant. Oula. Et tout. Allez, en jeu. En jeu, non, non, il va après il y avoir une remise du côté de. Oui, bravo. 1 sur 2, 50%, c'est pas mal. C'est même plutôt bien. Hein. Remise en jeu par les Parisiens. Ben Redouane pour Yanneux. Yanneux, Yanneux, on ressort toujours pour. Oh, et accordé. Et oui, pourquoi tu as lâché ton joueur, Fabienne? Pourquoi tu as lâché ton joueur? Aïe, aïe, aïe. Ça sent pas bon, 31-30, Yanneux. Ouais, ils font une presse, hein. Bah c'est aussi leur stratégie de faire la presse. Oui,
Oui, ils font une belle presse, hein, les Parisiens, ceux qui... 5 secondes. Oh oui. Oh non. Oh, une faute de Kemankang. Alors ça, c'est panier facile, Fabienne. Toi avec moi, ça doit rentrer, hein. T'es tout seul, tu récupères. On shoot, on fouette. Tranquille, on respire et c'est 2 points. Trop de pression. Là, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression et de tension dans les shoots. Et le cerveau commence à cogiter du côté de Lille. Ça cogite, hein, ça cogite, 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 cogite. Il faut arrêter de cogiter. Il faut enlever tout ça. Il faut uniquement penser à son shoot. Lui, il continue à enquiller. C'est bien. Et oui, quand on joue, il faut ne penser à rien. Il faut juste penser à son geste. Il n'y a rien d'autre. Van Rompen. 6. Et anti-sportive de Jérôme Foulon. Eh bien, dites-moi, là, c'est plus un combat de boxe que du basket. Il n'y a que des antisportifs sur antisportives. Tout le monde sort. Allez, hop, outside. On shoot. Ah, il n'y a pas une antisportive? Ah ben alors, pourquoi, c'est quoi ce geste-là? Aïe, elle aurait dû se remettre à la même place que tout à l'heure, Fabienne. 32-31 pour les Parisiens. Allez, Yanneux. Pourquoi ils descendent Allez, Écognard, allez, Écognard, attention, belle contre-attaque par Van Rompen. Oh! Comment peut-on louper ça? Est-ce que c'est la fatigue? L'énervement? Le stress? On n'a pas le droit de louper ça, hein? Et je dirais la même chose si c'était LeBron James. Ou James Harden. Non, mais ça fait... Vous vous rendez compte, ça fait 2 paniers faciles que Lille a raté. Ça leur fait 4 points en plus. Donc là, ils seraient déjà à 35-32. Eh oui. Donc ça va vite, hein. C'est moins 2 plus 2. Et c'est comme ça qu'il faut calculer au basket. Kemankang, Yanneux. Pour Ben Radouane. Yanneux, 4 secondes. Allez, non, maintenant, allez. C'est le 100 mètres. Et est-ce qu'il va le mettre? Ouais. Dites-moi, il m'a fait peur, hein, le Nonk Makara Daniel. 33-32. Allez, Lille reprend le... Yanneux, pris en chasse par Guidez. Ben Radouane pour... Lève la main. Ouais. Oh! Le contre! Et attention! Oh! Et une anti-sportive! Et écoutez, le public qui n'est absolument pas content de ce qui se passe. Et une anti-sportive, elle est flagrante celle-ci. Hein. Mais alors, le contre de Saint-Omer, 1000 excuses, mais on va le mettre dans le top 10. Hein. Mais quelle bâche! Quelle bâche! Magnifique, bravo. Temps mort. Eh ben voilà, c'est très bien.
temps mort, s'il vous plaît, messieurs, si vous voulez bien revenir sur le terrain. Et puis, surtout, soignez vos shoots, quoi. Soignez vos shoots. C'est important. Il faut une bonne défense. Ok, soit. Mais il faut aussi, de l'autre côté, mettre les paniers faciles. Remise en jeu. Notre ami Guidez. Nong, au lancer. Eh oui, il y a une faute antisportive. 33-32 pour Lille. Il reste encore 4 minutes. Oh, ballard bonhomme. Il y a un coup de fatigue. Eh oui, il y a eu un temps mort. Il est sorti de son... Et Croignard sort, Vincent est remplacé par Wilfried Leblanc. Ah oui, mais c'est surtout qu'il en avait. Trois fautes, hein. Ben Redouane sort. Il est remplacé par qui, Ben Redouane? Par Ousmane Goïta. Et regardez. Donc, pour Van Rompen, il a hésité. Attention, il ne faut pas jouer comme un NBA, shoot de première intention. Allez, là-bas, il y a du tricot. Elvis, Yanné, Ousmane, Guetta, chic. Et hop, chipper la balle. Ça joue, il n'y a pas retour. Il n'y a pas contrôle de balle. Chic. Yanné, airball. 33-32 pour les Lillois. Et personne pour récupérer la balle. Allez, Leblanc. Il est physique, Leblanc. Il est physique. Hop là. Contourne. Non. Ouais. Allez. Leblanc. Hop. 35-32 pour Lille. Un moment de flottement, encore 3 minutes 58 dans ce troisième quart-temps, 32-35. Goïta. Foulon. Goïta. Faute. Oui. On l'a même entendu. Et pourtant, j'ai un casque sur les oreilles. Hein. Je l'ai entendu. Président. Deuxième. Seconde. Great hour. Alors, nous allons voir si c'est une bonne faute ou pas. S'il met ses paniers, c'est pas une bonne faute. S'il n'en met aucun, c'est une bonne faute. Tu peux relancer pour le wifi? Je demande d'éteindre. Alors, une fois encore, on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas utiliser le wifi. Merci. Alors, tous ceux qui ont en leur possession un téléphone portable en train de regarder des vidéos, etc., vous les coupez, s'il vous plaît, parce que vous faites dysfonctionner le tableau. Et c'est très gênant, surtout lorsqu'on arrive à ce niveau de la compétition. Au lieu de regarder ce qui se passe sur votre tablette, regardez plutôt ce qui se passe sur le terrain. C'est 1000 fois plus intéressant. On reprend avec Guetta. Aïe, il a mis le premier, hein, Ousmane Goïta. Le deuxième, bon, magnifique airball. 33-35. Ça tient à pas grand chose, hein. Allez, à deux doigts d'une fourchette. Voilà. Il est passé. Fabienne ! Il n'y a pas ! Simple, efficace. C'est comme ça que l'on aime le jeu fluide. La balle circule, on trouve celui qui est démarqué et on marque. Guetta. Pour Foulon. Elvis Yanné, contrée. Récupération. Et là, c'est reparti pour Nonk.
Donc, attention, ils sont en train de faire un écart. Il est où? Il est là. Ils sont en train de faire un écart. Hein, 33-36. 33-36 pour Lille. Goïta va y aller tout seul. Wow! Eh bien, dites-moi. Et alors, on relance la fusée là-bas. Ils sont en surnombre. Ils sont en surnombre. Oh! Je fais ce que je veux dans la raquette parisienne. Eh bien, dites-moi, s'il y avait marqué chasse privée, ça ne l'est plus. Guetta, faut remonter. Et la balle ne circule plus du côté des Parisiens. Allez, les Parisiens. Et récupération. Et il n'y a plus rien qui se passe. Surnombre. Ils sont à 4. Oh là là. Ouh, c'est la déferlante jaune-bleue. Et il y a un temps mort demandé. Endormir, il y a eu un moment de flottement, ils ont un peu joué à l'envers. Et puis surtout, c'est que Lille est revenu avec une bonne défense. Ils ont fait une bonne défense, ils ont empêché les Parisiens de poser leur jeu. Leur presse, la presse parisienne a explosé. Et ce qui fait que Lille a repris un peu eh bien, du mental. Et un match de basket se joue physiquement, mais avant tout, il se joue psychologiquement. Si dans sa tête, on se dit que ça ne va pas, etc., le corps va suivre ce que dit et le message qu'envoie le cerveau. Allez, on revient à nos... Pim-pam-poum. Voilà, c'est parfait ça. Ça me plaît bien. Alors, que se passe-t-il? Ah, il y avait que 4 joueurs sur le... Il y avait 4 joueurs parisiens. Alors, il y a Joseph Kemankang, Ousmane Guata, Abdel Ben Redouane, Mohamed Chik et Mokhtar Messaouden. Ben Redouane, mais voilà, il a encore perdu là-bas, il faute. Faute de qui? Voilà, c'est... Alors, qui a le 69? C'est Wilfried. Attention, quatrième. Attends, je vais voir si c'est troisième ou quatrième. Quatrième. Et oui, Wilfried, quatrième. Il faut le garder. Et ici, il est remplacé par Écroignard. Vincent, 2 points. Premier enjeu, Guetta. Ben Redouane, faut couper les lignes de passe, oh là 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 là, oh là 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 là, et 24 secondes, ça joue, 24 secondes épuisées. Les Parisiens eh bien, ne trouvent pas pour le moment eh bien, la solution. Écroignard. Et une faute de Mohamed Chik qui vient percuter. Alors, choc frontal, c'est It's Forbidden également. Hein. Et à lancer ou pas? Pourquoi on joue en ligne de fond? Il y a 5 fautes d'équipe. Oui, il y a 5 fautes d'équipe, c'est pour cela. Donc maintenant, chaque faute sifflée, on verra un joueur sur la ligne de lancer franc. Et ça peut faire mal. Hein. On sait qu'un match, on le gagne d'un point. On n'en demande pas de gagner 10 000, on demande juste de gagner d'un point. Et un point, qu'est-ce que c'est? C'est un lancer franc. D'où l'importance des lancers francs et du travail que l'on doit faire, voilà, des lancers francs. Ça fait 44-34, 11 points pour les Lillois.
Il va falloir, au dernier quart-temps, il reste encore une 29, il va falloir que les Parisiens se motivent. Hein. Ben Redouane. Goïta. Goïta va shooter. Faute de Saint-Omer. C'est bien. Mais il faut défendre aussi, c'est normal. Il faut défendre dans un match aussi, on défend. Il y a aussi la défense. La défense, c'est primordial. C'est le béaba du basket. Demandez à tous les coachs, à tous les grands coachs, ils vous diront que avant tout, on gagne un match avec la défense. C'est quand on sape les attaques de l'adversaire, eh bien, ça rentre, c'est psychologique. Et puis, eh bien, l'adversaire finit par perdre confiance dans son jeu, dans son shoot. Et c'est comme ça que l'on gagne un match, avec une défense d'acier. Messaouden qui vient de marquer un lancer. 34-44. Écroignard. Allez hop. Van Rompuy. Et alors là, je pense que psychologiquement, ils ont pris un coup sur la tête, les Parisiens. Je pense qu'ils n'y sont plus là. 55. Seconde encore à jouer, 34-46, 12 points de différence. C'est le plus gros écart, changement. Fabienne qui sort. Il y a une faute de qui, une faute de quoi? C'est le number, le bleu, le 7. On pousse. Allez, Piton qui vient de se prendre une petite faute. Allez, on vient juste de rentrer. Et tac, deuxième. 48 secondes. Il reste encore 10 minutes à jouer dans cette demi-finale des playoffs en direct de Lille. Alors, j'ai le nom de la salle. Parce que j'ai un petit prospectus. Eh bien, ça s'appelle la salle Ostermeyer. Et elle se situe au boulevard d'Alsace. Il fait un temps magnifique dehors. Il faut réellement profiter. Donc, si vous avez des mômes, eh bien, venez ici, venez à Lille, venez à ce gymnase Ostermeyer, boulevard d'Alsace. D'abord, contempler des athlètes de haut niveau. Et puis, en même temps, vous pouvez profiter. Il y a une buvette, il y a tout. Tout à volonté, pas à volonté, à disposition. Pardon. 36 secondes. Ah, il est rapide ce nom, hein. Voilà, et maintenant ils vont jouer les 24 secondes. Piton. Et là voilà, beau trou, vous avez vu l'écart qui s'est formé. Eh bien, au milieu. Et chic pour Ben Redouane. Les fautes accordées. Et donc, qui a pris la faute? Il y a accordé plus une faute. 3, 2, pim, une. Voilà. Eh ben dis donc. Heureusement que j'ai acheté le décodeur avant de partir. Ben Redouane. Technique. Allez hop. Arrêtez de discuter avec les arbitres. Hop. Punish. Fessé au coin. Et tu me fais 30 lignes. Je ne dois pas discuter la décision arbitrale. Il y aura un changement. Allez,
que Saouden. Une balle mise sur le côté. Alors, que va donner 9 secondes à 40-48, il ne reste plus que 8 points. Ils ont, et petit à petit. Voilà, fin de ce troisième quart-temps, 48-40 pour Lille. Notre association Regard et Parole propose de multiples services, dont celui de diffuser vos événements en direct sur Internet à des prix associatifs. N'hésitez pas à nous contacter afin de réaliser ensemble un moment inoubliable de votre événement culturel, sportif ou musical. Notre équipe mettra tout en œuvre pour satisfaire votre rêve. Contactez-nous sur notre site regardetparole.tv. Ni de l'autre, qu'ils se débrouillent entre eux, mais que le meilleur gagne. Remise par les Parisiens avec Guata pour Kemal Kong. Guata, Ité et faute de Buzyn. Trop gourmand. Ça, c'est la gourmandise. Il fallait juste le suivre. Pas la peine d'aller chercher. Parce qu'il faut comprendre aussi une chose. Tu roules. Si tu te préoccupes de récupérer le ballon, pendant cela, tu n'as plus les mains sur tes roues. Mais par contre, l'autre a toujours les mains sur les roues. Donc, il suffit qu'il donne un mouvement et il te met dans le vent. Tandis que si tu as toujours tes mains sur les roues et que tu te mets devant lui, eh bien, finalement, si tu es devant, tu es gagnant. Ne cherchez pas le ballon, ça ne sert à rien. C'est de la gourmandise mal placée. Guata. Balle pour les Parisiens. Ça va être 10 minutes d'enfer. 10 minutes d'enfer, je vous le dis. Les playoffs en NBA à côté, c'est de la tarte. C'est de la rigolade. 5 secondes pour que l'on gagne. 13. Ben Redouane. Messaouden, il est là, il est toujours là, le Mokhtar Messaouden, fidèle, il se bat toujours. Et une faute, fauteuil, eh oui, contact, fauteuil. Alors 48-42, c'est la troisième. Piton. Romuald. Piton. Deux. Ouais, là, il y a beaucoup de tricot hein, du côté de Lille. Alors, ouais, maintenant, il ne faut pas tomber dans l'effet inverse, c'est-à-dire être trop confiant, se dire bon, c'est bon, on a 6 points, on peut les tenir. Attention, ça ne tient à rien une victoire. Ça ne tient à rien. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il faut être concentré pendant 40 minutes. Voilà. Oh ! Et une faute de Buzyn. N'essayez pas d'aller chercher. Gênez le joueur. 48-42. C'est chaud patate. Mais il aimait, hein, il a bien raison, Mokhtar, il reste concentré, il reste dans son jeu, il a raison. Dites ce que vous voulez, pensez ce que bon vous semble. Et une faute de quiche. 11, on pousse au fond là-bas. En tout cas, une certitude, c'est que certains vont bien dormir ce soir. Piton sort, remplacé par Fabienne Saint-Omer, qui nous a fait quand même, on doit vous le dire pour l'instant, le plus beau bash des playoffs.
Allez, il est tout seul. Il est tout seul. Et Coignard, 4 points. 50-43. Ça va, Romuald ? Allez, shoot comme ça, c'est quelque chose. Hein. Tombe pas hein, non plus, parce que c'est pour ça, demain, on va changer aussi la disposition. Non, non, mais là, t'es trop près, là. On va mettre les pieds différemment pour que tu puisses être plus avancé. Parce que là, c'est du... T'as installé ça n'importe comment, excusez-nous. Hein. C'est des 50-43 pour Lille. 8-30 encore à jouer. Miam, miam. Que du bonheur. On en veut encore. Chic. Chic toujours. Et faute de qui ? 10, faute de Romuald. Faute de Romuald, attention. Clément Kang pour Chic, pour Guata, Guata. Oui, magnifique, passe dans le dos. Bien joué, bonhomme. Chic, il en est quand même à ses 8 points. Hein. Ah, là, Chic. Il faut la donner la balle. Allez, petit rappel, petite piqûre de rappel. Allez, tout le monde vient se plaindre. On a le sentiment d'être au mur des lamentations. Allez, tout le monde vient mettre son petit mot. Et les gars, stop, stop, stop. Vous êtes dans les playoffs. L'arbitre est là. Donc maintenant, vous bouclez et vous jouez. Montrez-nous plutôt votre adresse. Montrez-nous votre savoir. Mais fermez vos clapets. Il y en a marre. On passe notre temps à vous entendre gémir. Changement, attention, les changements. Yakish, Nong sort et Guidez, remplacé par Wilfried Leblanc et Julien Piton. Guata. Guetta. Yanneux. Et alors, on sort dans la ligne. On sort du terrain. It's forbidden. Toujours 50-40. Hein, et pendant ce temps-là, ben, les minutes s'égrènent petit à petit. Petit à petit, eh bien, l'oiseau fait son nid. Attention, il n'y a personne. Mais non, mais viens pas lui couper le... Van Roppen. Van Roppen. Ah, voilà, voilà un beau bloc. Voilà un beau bloc. Voilà, super. Et oh, Piton qui vient mettre eh bien, un peu plus la tête sous l'eau des Parisiens. 45-52. Yanneux, Yanneux, tout seul, rentre pour et faute. Faute de qui ? Faute du 13. 2 points. 13. Hop. 1 plus 1. Et il a combien de fautes le 13 ? Oh ! Il a, c'est sa deuxième faute, ça va. Donc il peut y aller Van Rompuy. 47-52. Messaouden. Rompuy. Thank you.
Attention à deux contre un, pas de faute. Oh, 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 oh. La balle circule. 54-47, 7 points. Chic. Récupération Fabienne. Van Rompuy. Allez, il y a un surnom maintenant. 6 minutes 45. Est-ce que les Lillois sont prêts maintenant? Se rapproche un peu plus. Oh, aïe, mauvaise lecture de jeu là. Allez, Yanneux. Et... Oh. Et oui, ça joue, il n'y a pas de sifflet. Pourquoi vous vous arrêtez de jouer? Faute de qui, faute de quoi? Alors là, je... Ici, faute au 15. Alors, qui est le 15? Faute pour Messaoud El Mokhtar. D'ailleurs, c'est chaud. Attention, coach. Vous sortez de votre zone de prédilection. Et ça, c'est une technique. Fabienne. Hop. On ressort. Oh là là. Attention. Le match est peut-être en train de se jouer. 49-56, 7 points, c'est rien. Allez les Parisiens, ne baissez pas les bras. Allez Chic. Jouez collectivement, faites des stops, marquez vos paniers. Guata pour Yanneux. Oh là là, ça. Voilà, elle est encore une interception. Et là, ça roule. Wilfried. Attention. Ils sont en train de prendre le large, les Lillois. 49-58. Ils sont en train de prendre le large. Attention, c'est toute une saison. C'est toute une saison qui se joue maintenant. Changement. Attention. Alors, explication, voilà. Hop. Jérôme Foulon. C'est Joseph Kemangang. On essaye de trouver, mais oui, il n'y a personne en tête de raquette. Regardez le trou, ils sont tous en bas, la balle ne circule pas. Et une faute. De qui? Attention, cette faute est importante. 9. C'est pour Fabienne Saint-Omer. Ouf. Parce que là, le Wilfried, il en est à sa quatrième. Hein. Il n'a plus le droit de défendre. Alors, si j'étais parisien, je dirais de jouer sur le 69, il a 4 fautes. Mais est-ce que la consigne est passée du côté parisien? Je ne sais pas. Il a un joueur qui est important, qui est physique. Oui, bravo. C'est bien. Voilà. Ça, c'est une façon de climatiser la salle. On met un panier, hop, silence absolu. Ratez ça. 9, Fabienne. Ouais, ça joue vite, ça joue. 4 minutes 54, 8 points, pas mort.
l'engagement des Lillois, ce qui a permis aux Parisiens de revenir et même de passer devant de 2 points. Et puis après, il y a eu de nouveau un jeu mis à l'envers du côté des Parisiens. Une forme de panique, la balle ne circule pas. Tout simplement parce que Lille a mis en place une défense qui gêne considérablement les Parisiens. Et puis, il y a finalement eu très peu de shoots des Parisiens. Et ce qui fait que si on regarde la feuille de match, le dernier carton n'a pas été bénéfique. Bon, il n'est pas encore terminé, mais en tout cas pour le moment, les Parisiens n'arrivent pas à remonter ces 8 points. Et pourtant, ils en ont l'occasion, mais il y a à un moment donné trop de précipitation. Alors, quel est le problème? Nombre de points. Attention, nombre de points sur le terrain, c'est technique. Be careful. Et une technique. Eh bien, vous voyez, en tout cas, je connais mon règlement. Eh oui, il y avait plus de 15 points et demi sur le terrain. Eh bien, les Parisiens viennent perdre stupidement. Eh bien, l'avantage qu'ils avaient. Voilà. Alors, d'abord, il y a 2 lancers francs pour la faute précédente. Et puis après, on va aller tous de l'autre côté pour jouer les 2 lancers de la technique. 58-50, les Saoudiennes. C'est bien ça, Mokhtarus. Les Saoudiennes. Les Saoudiennes, il a quand même mis 4 paniers au lancer franc. Allez, on va de l'autre côté maintenant. De l'autre côté, avec Van Rompuy. 4 minutes 54. Aïe, 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 que c'est long. Que c'est long, 4 minutes 54. On s'approche de la victoire. Et en même temps, de la défaite, c'est comme une pièce. Oh, c'est quoi ce shoot là? Il est fatigué aussi, hein, je pense que... Et on remet là-bas, oui, tout simplement. Il faut se mettre en place, il faut suivre les jeunes, ils sont un peu perdus là. Et Croignard. Mais c'est quoi cette passe? Là, il va falloir des fois qu'on m'explique si on est au basket ou si on fait du lancer de marteau ou du lancer de poids. 4 minutes 48, 51-58. Allez, plus que 7 points. Rien, c'est rien 7 points. C'est 2 stops et 3 paniers. Voilà, tu fais 2 stops, tu marques 3 paniers. Et tu arrives et tu gagnes le match. Laurent Monestier vient de faire son entrée. Mesaouden. Ben Redouane, chic, bravo. Vous voyez quand vous jouez collectivement, eh bien, oh, il y a de la faute. Aïe, 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 est-ce que c'est le panier qui peut faire basculer Lille vers la défaite? Le 14. Les fautes, c'est... 2 à shooter. 2, allez, hop. Comme à l'entraînement. Et non. C'est William Leblanc. Wilfried. 4-14. 59-53. Remise en jeu pour les Parisiens. Gardez-moi.
Messaouden. Bien joué. Oh, dommage. Fabienne. C'est Fabienne encore. 9. Ouïe, aïe. Attention, Fabienne. Quatrième faute. Ben Redouane. Bien. La seule façon et la meilleure des façons de répondre comme ça à un public, c'est de mettre les paniers. Ça calme tout de suite. C'est comme si vous leur mettiez un seau d'eau sur la tête. Et une faute de Messaouden qui s'est carrément couché sur Fabienne. Saint-Omer, alors j'espère qu'elle ne va pas la signer au tribunal. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que avec Balance ton port. Allez Fabienne, 59-54, 5 points, 4-2 encore à jouer. Mais ça semble interminable hein, ce match. Il semble long, long, long. Beaucoup d'arrêts de jeu. Surtout cette fin de match. Hein. C'est toujours samedi, hein. 6 points, 54-60. Allez les Parisiens, vous me faites 2 stops, 3 paniers et vous revenez à égalité. À rejouer, à shooter, il y en a un, je ne sais pas qui, a osé rentrer dans la raquette. Et encore un qui est rentré. Et voilà, encore. Pareil. Ah ben c'est bien. Et ben comme ça, elle va faire sa séance de shoot. Sa séance d'entraînement, de lancer. Elle en est déjà au quatrième. Ne rentrez pas avant que le ballon quitte la main du joueur. En l'occurrence de la joueuse. Et ben voilà. Ben effectivement, vous lui donnez plein de ballons. Alors, elle va pas s'en priver, hein, Fabienne Saint-Omer. Membre de l'équipe de France. Et cinquième faute de Fabienne. Cinquième. Eh oui, Fabienne. Cinquième. Alors, qui peut remplacer Fabienne? Fabienne a les 3 points. Il n'y a pas grand monde. Hein. Il y a Nong, il est 3 points et demi. Et il faut qui sort. Il y en a un qui doit sortir. Ah, c'est Écroignard qui sort 2 points. Bah oui. Si on a un 3 points et demi qui rentre, pour avoir. Il y a un problème de Formule 1, problème de fauteuil. Et après, à la suite de ça, il y aura un temps mort. 54-61, 5 points. Attention, ça va vite, hein. Dans un sens comme dans l'autre. Ça va vite, hein. Ça monte comme ça peut descendre très vite. Et le public qui scande des allez, des bravos. Allez, à 3 contre 2, là, 3 contre 2. C'est Piton qui l'a mis. Oh là là, je pense que là, 3 minutes 40, 54-63. Il y a une remise en jeu.
Power Ball. Pas mort, demandez. Exécution, bien mon général. On reprend, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Ah, pourquoi je n'ai rien là, Christine? Pourquoi je n'ai rien là ici? Nous sommes ici, 56-65, il reste 1 minute 45 à jouer. Il y a eu des petits problèmes de caméra. On va essayer de vous remettre ça correctement. Ce match, c'est à la vie, à la mort. 56-66. 1-41, 10 points encore. Le retard, on ressort. 3 secondes dans la raquette. Et oui, on fait du tricot, on tricote du côté parisien. Abonnez-vous à Magazine Tricot. Voilà, 56-31. Bon, je pense que là, en 1-33,
ça va être too much pour Lille. Ils vont, les Lillois vont certainement et il y a une faute de Yanneux. Il y a deux à shooter. Ballon. 10 points, 1-23 encore à jouer. Ron Rampey qui vient de mettre encore à côté. Allez, on arrive à la fin. Pour le moment, Lille est sur le point de se propulser pour jouer la finale. À moins que pendant cette 1 minute 22, les Parisiens décident de jouer. De marquer des paniers à 3 points. Oh, et la faute. Bah oui, c'est là, là, elle était énorme. Van Rompuy. Alors, le prochain rendez-vous nous concernant, bah, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont importants. Demain matin, à partir de 9h30, il y aura le premier match entre le perdant, entre les Forésiens. Et a priori, on y va tout droit avec les Parisiens, parce qu'en 1-13, je ne vois pas comment les Parisiens pourraient gagner de 10 points alors qu'ils n'ont pas réussi pendant tout le match. Mais c'est bien Mokhtar. Toi, tu continues ton bonhomme de chemin, tu ne te laisses pas démonter, c'est très bien. Et puis, à midi, eh bien, à midi, il y aura la finale entre Corbeil et Lille, qui pour le moment est bien, bien parti. Jouez les 24 secondes. Jouez les 24 secondes. Pourquoi vous précipitez la balle? Ben Redouane, Guetta. Longue récupération. Ouh! Oh, il l'a fait à l'envers. Et elle sera parisienne. Allez, 31 secondes. 57-66 à flûte. J'ai oublié de noter les... Bon, je verrai, je demanderai les feuilles de match. Bon, eh bien, écoutez, on s'oriente tranquillement vers cette victoire des Lillois. Ils ont tout mis en place. Guetta, c'est le chou du désespoir. 57-66 à 3 points. On demande un temps mort. Ah non! Ah non! Pas maintenant! J'ai rendez-vous avec mon médecin. Bon, enfin, on embarque. Surtout dans un premier quart-temps où ils ont complètement cadenassé, verrouillé leur défense. Les Parisiens n'ont pas pu rentrer dans cette raquette. Ils ont joué en périphérie avec une maladresse incroyable à mi-distance. Et puis il y a eu le deuxième quart-temps où Lille est bien a légèrement sombré. Elle a même sombré puisque Paris est revenu. Paris est passé devant. Puis après il y a eu la mi-temps. Cela a fait du bien à tout le monde. Et puis les Lillois sont revenus avec d'autres intentions, plus belliqueuses, plus hargneuses. Et ce qui fait que, eh bien, à 10 secondes, eh bien, Lille maintenant joue à la passe à 10. Voilà, ils ne veulent pas chuter, passe à 10. Hein, et voilà qui est fait. Et Lille va donc jouer demain la finale face à voilà, pour le score de 57 à 66. Voilà, merci aux joueurs, merci à tous ces acteurs, de près ou de loin. Merci au coach, merci, voilà, on sait qu'il y a encore du travail à faire pour l'année prochaine. Lille a obtenu ce qu'ils espéraient, aller en finale pour, aller en finale surtout, pour pouvoir discuter si demain, quoi qu'il arrive, de toute façon, quoi qu'il arrive, Lille ira jouer les barrages face à Lyon. Alors je pense que ça doit faire en match aller-retour.
mais ça c'est pour une autre histoire. Donc demain, rendez-vous à 9h30 pour la confrontation entre les Parisiens et les Forésiens. Et puis à midi, eh bien, il y aura entre les Essoniens et les Lillois. Bravo à toutes ces équipes, bravo à tous ces acteurs, bravo à tous. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous d'avoir consulté notre bande-annonce. On doit vous l'annoncer, nous avons été très fiers de la préparer. Et puis nous avons été également très fiers de vous savoir aussi nombreux. Il y avait été plus de 3350 à la visionner. Merci à vous. On doit vous le rappeler que sans vous, nous ne sommes pas grand-chose et que nous sommes là pour mettre en valeur eh bien, tous ces joueurs, mais également ces artistes, ces musiciens. Bref, nous travaillons pour rendre les gens sous leurs meilleurs angles. Et si vous aussi vous pensez que vous méritez d'avoir un zoom, qu'on vienne faire un zoom sur vous, eh bien, vous nous contactez et on vous mettra en place des rendez-vous. Regardez cette image, si elle n'est pas belle. Voilà. Cette parfaite communion avec le public.